Très heureux de vous retrouver, fidèles téléspectateurs du Live TVC. Bonsoir et bienvenue dans l'émission À vous la parole. Toujours dans la croisade du renversement des principautés personnelles et familiales, délivrance, guérison sont au cœur de ce combat spirituel. Et nous sommes aussi enseignés au cours de ce programme. Et aujourd'hui, le pasteur Boniface Meynier nous a enseigné à nous identifier à nos familles afin de prier pour leur salut et leur délivrance. Nous vous laissons écouter quelques impressions de certains participants au micro de la RTVC. J'ai été béni pour la session de ce jour parce que, une fois de plus, le pasteur Meynier est revenu sur l'historique de sa mission en Côte d'Ivoire, comment les choses ont commencé. Et je rends grâce à Dieu parce que nous avons un dirigeant à qui Dieu parle directement. Et lui-même l'a précisé que si tu es un missionnaire à qui Dieu ne parle pas, tu ne peux pas réussir. J'ai été touché parce que tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, tous ces ministères qui nous donnent la délivrance, sont le fruit d'une relation profonde entre un Dieu, entre un homme et son Dieu. Il nous a fait l'historique de comment le Seigneur l'avait convaincu de conduire la mission en Côte d'Ivoire, d'abord par le fait de prêcher l'évangile. Ensuite, le Seigneur l'a convaincu de briser les liens de toutes les âmes en Côte d'Ivoire, parce que le problème de la Côte d'Ivoire, c'est la sorcellerie. Et comment nous sommes partis du brisement des liens jusqu'au renversement des principautés. J'ai été édifié parce que ça a été un travail progressif que le Seigneur a accompli. Et je vois juste le fruit de la faim d'un berger de voir son troupeau être délivré. Le fardeau de voir son troupeau être libre. Je pense que c'est ce fardeau-là que le Seigneur a comblé. Et nous sommes bénis aujourd'hui d'avoir le brisement des liens, nous sommes bénis aujourd'hui d'avoir le renversement des principautés et nous rendons grâce à Dieu pour son serviteur qui nous a donné en Côte d'Ivoire. On a été vraiment bénis et le dirigeant, le leader nous a conduit à prier pour nos familles. Et sincèrement, j'ai prié pour ma famille avant, mais je n'avais pas prié pour la famille comme aujourd'hui j'ai prié. Je bénis le Seigneur parce que le Seigneur m'a donné une paix, une assurance que j'ai été exaucé. Et je voudrais dire à tous les frères, à toutes les sœurs qui sont à domicile, à la maison, il est bon de suivre la croix en ligne. Et mais je pense qu'il est encore plus mieux de le vivre en direct. Et j'exhorte tous les frères à prier le plus venir à Tiekwa. Nous autres, ça, par la grâce de Dieu, ça fait presque un mois que nous sommes là, mais c'est puissant et c'est vrai. Et les prières sont, nous vivons les prières en direct avec beaucoup de manifestations, beaucoup de délivrances. Et vraiment, c'est des choses qu'on ne peut pas bénéficier en ligne. J'exhorte tous les frères à venir à Tiekwa pour que d'un commun accord, nous puissions détruire les yeux de Satan. Amen. Par exemple, qu'une personne donne sa vie à Christ, il devient comme un intercesseur pour sa famille. Donc, le Seigneur a maudit sa famille, lui étant qu'intercesseur, c'est à lui maintenant de s'identifier à chaque membre de sa famille et de plaider que le Seigneur puisse ôter en fait, la malédiction qu'il a posée sur la famille afin que toute la famille soit délivrée. Donc notre vie à Christ, ce n'est pas uniquement pour nous, mais ça doit être aussi comme une bénédiction pour les membres de nos familles. Et cette partie vraiment qui m'a beaucoup béni durant cette session. C'est-à-dire la malédiction qui s'oppose sur ma famille reste aussi sur moi, malgré que je suis chrétienne. Donc ça m'a beaucoup découragée, j'étais déçue parce que je me disais qu'en tant que chrétien, pendant de longues années, j'étais libérée de cette malédiction sans savoir que j'étais toujours dedans au moment que je n'ai pas prié pour délivrer ma famille dedans.
Donc ça m'a beaucoup marqué. Et j'ai aimé sa simplicité. Et puis l'amour qui est dans cette église, ça m'a beaucoup plu. Que quand tu es étranger, même tu viens, tu ne te sens pas étranger. Moi, par exemple, je viens de loin. Mais quand je suis arrivée, les gens que je n'ai jamais vus avec mes yeux, façon qu'ils m'ont accueilli vraiment, je ne sais pas comment exprimer ça. Et je rends grâce à Dieu pour la vie de cette église et les membres et la simplicité aussi qui est ici. Et je m'aurais prié que Dieu me donne cette simplicité-là pour que je puisse aussi avoir des âmes pour Christ. Je suis très heureuse, sauvée. Et puis ton père, ta mère, ta famille est dans les ténèbres. C'est un calvaire. Ta présence même dans le Seigneur n'a pas de sens. Tes enfants sont là-bas. Mais où je vois l'amour de Dieu, c'est que chaque année, il nous met, il crée une situation. Bon, la croisade comme ça. Dans son plan, il nous permet de nous réunir pour supplier. Et il a vraiment béni le pasteur. C'est un don de Dieu. Tout ça, on ne connaissait pas. C'est aujourd'hui, on voit que tu es sauvé, tu dois combattre tes parents. Oh, aujourd'hui, la responsabilité qu'on a, tu es sauvé, tu dois prier pour que tes parents te rejoignent. Voilà où vraiment le pasteur Méni a réussi. Et Dieu vraiment nous a bénis. C'est ce que je peux dire. Et je rends grâce au Seigneur que Dieu étend chaque fois sa main sur sa vie. Le pasteur a parlé sur les maladies. Tous ceux qui ont les maladies seront guéris ce soir. En tout cas, moi-même, j'avais mal au pied. Je sentais une grande douleur. Maintenant, tu vois le pied enflé, mais il n'y a plus de douleur. Je suis guérie authentiquement. Donc, je rends gloire au Seigneur. En tout cas, moi, je suis quitté à Tabou, vers San Pedro là-bas, derrière San Pedro. Donc, chez nous là-bas, est loin. Les gens ne croient pas. Mais je dis à toute personne de venir à cette croisade-là, s'ils viennent, ils vont recevoir ce qu'ils cherchent. Dieu va les guérir. Donc, ils ont qu'à venir à cette. Il reste 16 jours aujourd'hui. 16 jours, c'est beaucoup encore. Ils peuvent venir encore recevoir les guérisons, les bénédictions. Mon fils devait passer sa soutenance et ils ont découvert dans le document plagiat. Je ne connais même pas ce qu'est plagiat. Donc il dit qu'il était à 29%. Donc il devait passer le 22. Ils ont annulé à cause de plagiat. Tout à l'heure, gloire à Dieu, mon portable était sur silencieuse. Donc après qu'on a dit amen, je suis allée un peu consulter pour voir qui m'a appelé. Et il m'a appelé 8 fois. Gloire à Dieu. Et il me dit que maman, je suis à 8%. Tu as travaillé dans la vie. Parce que vraiment, 2 mois de stage avec Seigneur, et puis on le programme pour la soutenance. La soutenance que les gens, il y a des frères qui cherchent 5 ans. Et mon fils a eu ça en 2 mois. Il va soutenir. Il est en train de rentrer sur Abidjan. Je veux dire infiniment merci à notre Seigneur, notre grand Dieu, qui fait de grandes choses dans nos vies. Ah, tu sais quoi? Il y a des merveilles. Amen! Étant devenus des sacrificateurs en Jésus-Christ, nous avons pour responsabilité de porter nos familles en prière. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous demain sur le même canal. Bonne suite de programme sur la RTVC. Au revoir. Que Dieu vous bénisse.